Êtes-vous prêt à gagner plus de prix que Gatineau? Pour des créations uniques et sur mesure, c'est Mathurin Cuisine et Salle de bain. Notre équipe dynamique se démarque par sa créativité et son innovation afin de vous faire vivre une expérience personnalisée de la conception à l'installation. Prenez rendez-vous dans l'une de nos 5 succursales. Ici Louis-Philippe Morin. Le ministre fédéral des Transports était aux portes de Belle-Dune pour une annonce économique d'importance. Les détails plus tard au bulletin. Le VRAC est heureux de vous présenter cet épisode de La Vitrine. Bonjour et bon lundi après-midi. Je vous souhaite la bienvenue sur le plateau de La Vitrine. Très heureux de vous retrouver, de m'installer avec vous, d'autant plus qu'on lance, la semaine en compagnie de notre collaboratrice littéraire Valérie Lavoie, qui vous invite cette semaine à la librairie du Portage pour planifier adéquatement votre semaine de relâche. On sait que plusieurs seront en congé au cours des semaines à venir, alors on a de belles suggestions, lectures et de jeux éducatifs à vous proposer. Et on commence en force en accueillant Valérie. D'abord, Valérie, bon après-midi. Bonjour, Michel. Très content de te recevoir à nouveau pour parler de relâche scolaire. Est-ce que tu nous proposes en début d'émission, c'est vraiment un univers jeunesse très diversifié, que ce soit pour la lecture ou encore pour des jeux qui vont permettre le développement psychomoteur de l'enfant, mais aussi de s'amuser puis de décompresser un petit peu du quotidien, de la routine. Oui, exact. Puis qui vont nous permettre de s'amuser avec nos enfants aussi. Donc, souvent, les parents vont être en relâche, eux aussi, en vacances. Donc, c'est le fun d'avoir des jeux où on peut jouer avec eux. Puis, on a du plaisir à jouer avec eux. Souvent plus que l'enfant, même. Des fois. Oui, j'avoue. Donc, j'ai fait un choix là, de ce qu'on aimait, mais il faut vraiment venir ça à la librairie. Difficile parce que tu as tellement d'inventaire, tellement de choix, de propositions en boutique qu'on n'a pas le choix d'aller faire un petit tour, justement, à la librairie. Exactement. Donc, je commence avec la lecture. Oui. Un nouveau livre qui vient tout juste d'arriver, qui est de la collection, qui est de La Bagnole. Ce livre-là, sa particularité, c'est pour les jeunes lecteurs. Okay. Donc, je ne sais pas si tu veux l'ouvrir. Oui, puis aucun on peut problème. Voir. On va attendre que l'image soit prise. Parfait. Donc, oui. Donc, c'est vraiment des grosses écritures. Ah, oui. C'est fait pour les jeunes qui commencent à lire. Fait que des fois, dans leur relâche, on ne veut pas qu'ils perdent leurs bonnes habitudes de lecture. Effectivement. Surtout quand ils sont en train d'apprendre la lecture. Donc, une belle option là, pour ces jeunes-là. J'ai apporté celui-là, mais il s'en fait tout plein maintenant. Avec des illustrations aussi. Exact. Ça rend la lecture le fun, plus ludique. Et ils aiment ça parce qu'ils se promènent avec leurs gros livres comme leurs parents. Exactement. Donc, et ça maintient aussi de l'intérêt, là, ça garde l'intérêt du lecteur en place. Exactement, si on veut. Exactement. Et bon, le titre le dit bien, Folle École. Donc, c'est une école où c'est un peu étrange dans les abreuvoirs. C'est du smoothies qui coule. Genre d'école que j'aurais aimé fréquenter. Oui, c'est ça. Donc, toutes sortes de choses étranges comme ça. Et on se pose des questions. Donc, vraiment très ludique pour les jeunes. Génial. L'autre livre que tu nous proposes, c'est Comment le prince Cardan... Et mon Dieu, je vais te laisser finir le titre, je ne le vois pas au complet, je suis désolée. En fait, le titre, ce qui est important de dire, c'est que c'est le préquel des livres du Prince Cruel. OK. Il y a eu trois livres qui ont été faits, Le Prince Cruel, Le Roi Maléfique et La Reine sans Royaume, qui est une trilogie qui se vend super bien. Là, on parle plus aux adolescents. Oui, c'est ce que j'allais dire. Là. Même aux adultes, des fois, un peu plus vieux. Et là, il en fait le préquel, ça veut dire on comprend pourquoi le Prince Cruel va devenir cruel. Okay. Et c'est un magnifique livre, il est illustré, on a l'histoire. Donc, si on a aimé la trilogie du Prince Cruel, bien, c'est sûr qu'il faut lire ce livre-là. Ça vient compléter, en fait, les trois premiers tomes, si c'est on veut. C'est ça, exactement. Ça nous permet d'en savoir plus sur le personnage principal et comment il s'est construit. Donc, fait que c'est vraiment un livre le fun, puis j'avais le goût de le présenter parce que des fois, on veut que nos petits lisent, mais on aime ça aussi que nos adolescents lisent. Oui, qu'ils conservent cette habitude-là aussi. Exactement, là. Des livres papier aussi, qui lâchent un peu le téléphone puis la tablette. Mm-hmm. Donc là, je présente celui-là, mais bien sûr, on a la trilogie, donc si les gens ont le goût de découvrir qu'est-ce que le Prince Cruel. Et le fantastique, souvent, là, pour nourrir l'imaginaire, là, c'est vraiment des livres absolument incroyables à cet égard-là. Exactement, et c'est vraiment très populaire. Wow! On enchaîne maintenant avec un incontournable de la banque.
bande dessinée Astérix avec un nouveau volume. Oui, là, je précise tout de suite, ce n'est pas officiellement le nouveau Astérix. Okay. Il y aura en 2023 un nouveau Astérix, mais ça va aller à l'automne. Okay. Ça, c'est l'album du film. Donc, ce n'est pas en bande dessinée, c'est vraiment c'est illustré. Oui, oui, oui. Mais on a plus l'album du film avec un peu l'histoire du film et des dessins. Donc, pour les fans d'Astérix, ben ça va les faire patienter jusqu'à l'automne avant qu'on ait le prochain Astérix. Effectivement. On quitte la littérature pour se diriger maintenant vers l'univers du jeu. Et tu nous as fait aujourd'hui 3 propositions, mais comme tu le soulignais, il faut absolument aller en boutique parce que vous avez un rayon consacré aux jeux éducatifs. Et je peux vous dire que le choix ne manque pas pour avoir déjà fait quelques tournages avec toi à ce sujet-là, notamment avant les fêtes. C'est impressionnant la quantité de produits disponibles. Et aujourd'hui, tu nous proposes quoi, Valérie? J'avais le goût de proposer 2 choses complètement différentes. Oui. On va commencer par les petites cartes. Oui. On a plein de jeux de cartes, le fun. Celui-là, Pirate Attack, est un de nos meilleurs vendeurs, qui, on le voit bien, est pour les 5 à 99 ans. Oui. Donc, c'est accessible à tout le monde. C'est un jeu de stratégie. Faut que tu te protèges, tu te fasses un fort pour pas que le pirate puisse venir attaquer. Donc, c'est un jeu de cartes. Ça joue rapidement. C'est le fun. Et l'autre, c'est Little Mime. Donc, c'est un jeu de mime coopératif ça, le pour les 2 à 5 ans. C'est super cute. Fait que ça, c'est le fun parce que des fois, on va en voyage durant la relâche ou on va juste se déplacer. Bien, ça se traîne facilement, les petits jeux. Donc, on en a plein de petits jeux de cartes comme ça qui sont abordables et très amusants. Exactement, qui se traînent facilement justement quand on va voir de la visite ou qu'on a une activité de privé à l'extérieur, amuser les enfants pendant qu'on prend la route. Exact. C'est toujours une belle suggestion. On va prendre l'avion, ben, à l'aéroport en attendant, facile de sortir le petit jeu de cartes. Tu sais, il y a plein d'options où c'est facile de le glisser dans son sac puis de s'amuser avec. Exactement. Et on a également ce jeu ici qui s'intitule « Chapeau et catapulte ». Château et catapulte. Je commence à être dyslexique, je crois. nous, on adore ce jeu-là à la librairie. C'est un super beau jeu. Là il n'est pas monté, mais on se met des catapultes de chaque côté. On se construit un château et le but, c'est de lancer avec notre catapulte pour détruire le château de l'autre. OK. Donc, ça prend de la place, là. Oui. C'est un gros montage, mais c'est vraiment le fun et amusant. C'est du 8 ans et plus. Et ça aussi, on a autant de plaisir que les jeunes à essayer de viser comme il faut pour pouvoir affaiblir leur château. Donc, c'est vraiment un jeu très le fun. Là, on est plus dans le ludique, moins éducatif, mais des fois, ça fait du bien. Exactement. Ça nous change des tracas du quotidien ou de la routine aussi, parce qu'on y pense pas souvent, mais les enfants aussi ont une routine. Donc, de leur permettre ce petit moment d'évasion, de plaisir sans pression. C'est toujours agréable pour eux comme pour nous. Valérie, on va faire une pause de 2 minutes, le temps de réaménager l'îlot parce que tu as d'autres propositions pour nous dans 2 petites minutes. Alors, à la maison, évidemment, on vous invite à rester à l'écoute puisque la vitrine spéciale relâche à la librairie du Portage se poursuit dans un instant. Il y a tellement de raisons pourquoi magasiner chez Meubles Dégelis, ça vaut encore et toujours le déplacement. Les grandes marques. Meubles Dégelis propose tout un choix de marques connues, de confiance. Les bas prix. Parce que oui, ici, on a la qualité des grandes marques. Et en plus, on économise gros. Livraison gratuite. Au Témiscouata, à Rivière-du-Loup et dans le nord du Nouveau-Brunswick. Autre raison? Eh bien, parce qu'on aime Meubles Dégelis depuis plus de 40 ans et l'histoire se continue. Pour profiter pleinement de l'hiver, direction Dégelis, au centre de plein air GDS. En ski de fond, en raquette ou en fat bike, des kilomètres et des kilomètres à parcourir à travers de magnifiques paysages. Une qualité de sentier exceptionnelle grâce à notre nouvelle dameuse. Location d'équipement, salle de partage, relais chauffé et la possibilité de séjourner dans l'un de nos chalets. Le centre de plein air GDS est là pour vous faire aimer l'hiver. J'ai trouvé l'espoir dans une situation accablante. L'alcoolisme est une maladie qui peut affecter n'importe quelle famille et tout le monde en souffre. Mais il y a de l'aide et de l'espoir dans les groupes familiaux Al-Anon. Al-Anon m'a aidé à reprendre ma vie en main. Je suis un meilleur époux et un meilleur père. Êtes-vous dans une situation accablante à cause de la consommation d'alcool d'une autre personne? Al-Anon et Al-Ateen peuvent vous aider. Des réunions locales et virtuelles sont disponibles. Il y en a peut-être une pour vous. Composez le 1-888-4-ALANON ou visitez alanon.org.
Le Vrac, 226 La Fontaine, Rivière-du-Loup. De retour à la vitrine, on vous parle aujourd'hui des activités que vous pouvez planifier pour la relâche scolaire en allant faire un petit tour à la librairie du Portage située au centre commercial de Rivière-du-Loup. Ça va la pause, on s'est consacré au volet jeunesse. On s'adresse maintenant à la clientèle adolescente et adulte. Alors Valérie, qu'est-ce que tu nous proposes pour cette clientèle qui, elle aussi, aime lire et aime se divertir par le biais de différents jeux aussi, là? Oui, tout à fait. On s'adresse un petit peu plus vieux puis un peu plus famille. Oui. Donc, dans les jeux, on y reviendra. Je commence avec les livres. Oui. Donc, le nouveau conte interdit qui vient de sortir, qui est écrit cette fois par Brian Perrault. Okay. Donc, qu'on connaît, qui a écrit Amos d'Aragon, entre mm-hmm. autres, il y a quelques années. C'est son premier conte interdit. Donc, les contes interdits, bon, on reprend des contes classiques. Et on leur met une saveur un peu d'horreur, oui. Épeurante. Donc, il est tout frais, tout nouveau. On l'a reçu hier. Alors, pour les fans du genre, oui. Ça se lit super bien, pas trop épais. Bien, c'est ce que j'allais dire. Exactement. Donc, une belle lecture pour accompagner vos journées de relâche scolaire. On a également Deux prises contre toi. Un livre qui parle d'amour, si je ne me trompe pas. Oui, exact. Donc, je suis allée dans trois univers complètement différents. Oui, on pour sent les que livres. Les registres sont vraiment à l'opposé l'un de l'autre. Là. Deux prises contre toi, c'est vraiment une histoire cute d'amour de deux amis. J'ai apporté le tome 2, mais on a le tome 1 à la librairie si les gens veulent commencer. Là, dans ce livre-là, une des deux amies rencontre un gars, elle est amoureuse, mais l'autre, ça ne fonctionne pas, elle n'y arrive pas. Et là, bon, va arriver toutes sortes de péripéties, mm-hmm. toutes sortes de choses dans sa vie. Et elle aura peut-être un choix à faire. Peut-être que ça ne marche pas, mais à un moment donné, elle en aura deux. Qui sait? Qui sait? Des fois, la vie nous surprend. Et le deux prises contre toi, c'est que ça se passe aussi dans l'univers de la balle molle. Les filles jouent à la balle molle. Donc, c'est bien. Donc, Sandra Virelli, qui est l'autrice, est super appréciée de celles qui aiment... Je dis de celles parce que c'est principalement des femmes qui lisent ça. Qui aiment le genre, là, vraiment... T'sais, tout ce qu'elle sort, les gens viennent souvent pour Sandra Virelli. Donc, ça vaut la peine, je pense, d'essayer de la découvrir parce qu'on me dit, là, malheureusement, je ne l'ai pas encore lu, mais j'ai des collègues qui l'ont lu et m'ont dit, Valérie, ça se lit tout ça. Ah, ça, c'est le fun. Ouais. C'est vraiment des lectures qui sont captivantes. Mm-hmm. On commence ça, puis on sait qu'on ne sera pas capable de s'arrêter, mais c'est le but souvent quand on se tourne vers un genre comme celui-ci. Et comme tu le mentionnais, autrice très populaire, mm-hmm. probablement que chacune des parutions qu'elle publie devient en quelque sorte un événement tellement elle est attendue exact. Et appréciée du lectorat. Là. Exact. On n'a pas reçu les boîtes encore qu'on se le fait demander. Allez-vous le recevoir, puis quand est-ce que vous allez le recevoir? Jean-Pierre Charlat, maintenant, nous propose Maître chez soi. Même chose pour Jean-Pierre Charlat. Oui, hein? Là, on change d'univers, par exemple. On est dans l'univers de la romance historique. Mm-hmm. Donc, ça, c'est sa nouvelle série qui commence. Ça se passe en 1961. La famille Chevalier a des problèmes financiers et ils doivent vendre la ferme et s'en venir en ville pour que le papa se trouve un travail mm-hmm. Rémunéré à la semaine. Et là, c'est toute leur nouvelle vie. C'est un virage à 360 degrés que la famille doit prendre. Donc, ils s'en viennent vivre en ville. Lui, il ne trouve pas ça drôle, pantoute. Sûrement pas. Sa femme est contente de se rapprocher de son frère qui est prêtre, mais le frère, lui, n'est pas si content que sa soeur soit proche. Mm-hmm. Puis les enfants, eux, sont bien contents de découvrir la vie en ville. Et là, va arriver plein de péripéties, comme Jean-Pierre Charlat peut le faire. Donc, c'est ça, c'est son nouveau. Quand on aime le genre, quand on aime Jean-Pierre Charlat, bien, c'est on sa nouvelle série. Pas. Ça devient une valeur sûre, assurément. Exact. On passe maintenant dans l'univers du jeu, comme tu l'as souligné, des jeux qui s'adressent peut-être un peu plus aux familles. Et on commence avec Sac de chips, un jeu, paraît-il, croustillant. Exactement. Donc là, je le présente en bref parce que c'est un jeu qui était attendu. C'est un jeu super amusant, mais on l'a eu hier soir. OK, bon, c'est récent. Oui, c'est tout récent. Fait que là, je l'ai ouvert. Malheureusement, je ne suis pas capable d'expliquer tous les règlements. On se reprendra la prochaine fois. Aucun problème. Je vais le tester, je pourrais te dire. Mais je voulais le présenter parce que c'est un beau petit jeu de stratégie. Il est très beau. Je pensais que c'était un sac de chips même au début. J'étais un peu déçu pendant la pause, je vous l'avoue. Un, il est beau. Puis deux, c'est un jeu de stratégie, de cartes, comme on a parlé un peu tantôt. Donc, ça se traîne facilement. On fait des petites stratégies avec nos cartes, puis on ramasse des chips. Autre jeu qui figure parmi tes coups de cœur, j'ai l'impression, c'est Maudit. Oui, donc nous, très dès qu'on voit un jeu de mots de français, c'est sûr qu'on va le vendre à la librairie. Donc ce jeu-là, c'est un jeu où il faut faire deviner un mot. Avec un beau minou.
Ah, il est beau. Attends, mais c'est puis vrai. Il est le fun. Donc, il faut faire deviner un mot. On a un certain nombre d'indices qu'on peut utiliser. Donc, puis pour faire deviner le mot. Je vais juste montrer les petites cartes comme ça ici pour qu'on les voit bien à l'écran. Donc, ouais, moquette, c'est virus, ça. Papillon, donc, yeux. C'est ça. Puis dépendamment de quel mot on doit. Puis là, après ça, bien, si on réussit dans le bon nombre d'indices, on fait des points. Si on ne réussit pas, c'est l'autre qui fait des points. Et il y a des petites cartes de malédiction qui viennent s'ajouter à ça. Donc, quand on veut travailler les mots, les synonymes, plein de choses comme ça, c'est un beau mais ça aide aussi à se développer un vocabulaire. Un vocabulaire, effectivement. J'ai eu de la misère à le dire, mais paraît-il que ça aide. On enchaîne maintenant avec le dernier jeu, Troupeau. Donc, on finit avec Troupeau. Très beau produit, il est magnifique. Hein? Les gens, je ne sais pas si les gens voient bien, mais oui, c'est ça. Donc, le jeu de Troupeau, le but, c'est de suivre le troupeau. Mm-hmm. Alors, on a une question, il faut répondre comme tout le monde. Et si on ne répond pas comme tout le monde, bien, malheureusement, on perd des points. Oh! Ça en dit suffisamment pour qu'on ait le goût de se le procurer. Exact. Évidemment, tout ça, c'est disponible à la librairie du Portage. Et sur les images qu'on va vous présenter sur le générique, vous allez voir que le choix est impressionnant en ce qui a trait aux jeux disponibles à la librairie du Portage, mais aussi en matière de livres, de volumes, de périodiques. Ce n'est vraiment pas le choix qui manque. Alors, on vous invite à aller faire un petit tour à la relâche ou à n'importe quel moment de l'année. Merci, ma chère Valérie. Toujours un plaisir de te recevoir à l'émission. Et nous, on se retrouve demain, 15h, pour une autre vitrine. Salut! Votre quotidien, LFG Construction vous accompagne. Dans l'Est du Québec, sur la Côte-Nord et au Nouveau-Brunswick, LFG Construction, fier partenaire de vos vies.